L'analyse de l'information. Tendance. Le nez l'espère tout le monde, jeudi à c'est mardi 16 décembre 2014, c'est avec même contentement nous ensemble pour rubrique tendance. Tendance sur émission côté nous ouverger sur différents thèmes qui kembe actualité. N'a continuer sous question politique. Il y a un peu de monde qui pensait commission consultative pas tap qu'arriver remettre rapport pendant 8 jours ça que arrêté en te bali pour te travail. Qui méthodologie que te suivre pour nous commenter question ça. Youn nan commissionnaire yo s'est invité nous ancien magistrat Evans Paul avec lui nous pral brasser l'idée sous méthodologie et regardez avec lui quelques dossiers qui kembe actualité en pause là n'abtonne. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures. Un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Créer la richesse, nous la protégeons. Fidélité à attention nous pour télésignal. Place à inviter nous, magistrat Evans Paul, Liseyoun, commissionnaire, commission consultative présidentielle, qui travaille sous recommandation. Ça, un peu le monde estimé qui est capable de porter un certain espoir pour si là, qui n'est pas partisan la trouble. Bonsoir, magistrat Paul, c'est avec un peu le plaisir de vous recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir, Tamara, bonsoir à tous les téléspectateurs dans le pays, tant qu'à l'étranger. C'est avec toujours un peu le plaisir de participer. Pour nous garder tendance pays. Tout à fait. Magistrat, dis-nous, dans la commission, nous ces politiciens, nous ces religieux, nous ces hommes d'affaires. Chita, ensemble, nous pas m'imaginer, ce n'est pas facile. Mais 8 jours, nous avons pour notre travail et nous arrivons à remettre à poids dans 8 jours. Ce n'est pas sorcier. C'était compliqué. Mais pas sorcier. Mais ce n'était pas difficile. Okay. C'était compliqué. Parce que 8 jours pour te faire un rapport comme ça, bien sûr, avec un pile monde qui sorti dans un horizon divers, qui n'a pas de pratique de travail, qui n'a pas gagné même l'âge, qui n'a pas gagné même niveau d'éducation, c'était pas facile. Mais comme nous, ouais, surtout, c'était pas impossible. Alors, premier bagaille qui était, m'a connu nous ensemble, nous tous, c'est haïtiens. Okay. Et nous tous, c'est patriotes, nous tous, c'est un pays. Et premier ça nous avons fait, c'était mettre nous d'accord sur un mode de fonctionnement. Comme c'est une assemblée de 11 personnes, il faut avoir des gens pour le gérer et nous avons rapidement monté un petit bureau de 3 personnes qui était là-dedans, le coordonnateur. C'est docteur Reginald Boulos, qui est un gros homme d'affaires qui a assuré le rôle ça. Tu as un rapporteur, c'est serviteur, nous moi-même, Evans Paul, qui a joué le rôle ça. Et tu as un secrétaire, c'était l'ancien sénateur Rony Modestin. Et puis, nous te mettons d'accord pour nous travailler en assemblée chaque jour de 9h à 5h. En assemblée. Mais, moun qui n'a pas bureau, tu as gagné pour faire plus de sacrifices. Parce que non seulement tu as travaillé en assemblée, mais tu as gagné tout des rencontres. Tu as gagné des rencontres formelles, tu as gagné des rencontres informelles. Rencontres formelles, où on est, nous rencontrer avec le bureau Sénat de la République. Nous rencontrer avec le bureau, chambre des députés, je suis capable de dire plus que bureau, tu as gagné une trentaine de députés qui participent à des rencontres. Ça. Nous rencontrer avec le premier ministre la mort et tout staff, je suis capable de conseiller. Nous rencontrer avec
le CSPJ, le président du CSPJ et l'autre membre dans le CSPJA, nous rencontrer avec plusieurs partis politiques, nous rencontrer avec les organisations des droits de l'homme. Il y a des rencontres formelles, des rencontres informelles. Et il y a des gens qui disent, bon, je ne vais pas parler à Evans Paul comme membre de la commission, parce que nous ne pouvons pas reconnaître la commission, nous ne pouvons pas reconnaître le président Matéli, mais nous ne pouvons pas parler avec les militants politiques, nous ne pouvons pas parler avec politique là, bon, pas de problème, parce que les rencontres informelles, ils n'ont pas fait dans le siège de la commission. Hein. De, très souvent, c'est moi qui vous déplacer. Ça veut dire que, le plus souvent, depuis 5 heures du matin, nous commençons à travailler. Soit moi-même qui rapporte l'offre en journée, et ou à travail, faudrait-il, après la journée de travail, que le rapporteur fasse un bilan de qui ça t'est dit, et pour demain matin, l'op commence à assembler, ou présenter mémoire de la journée antérieure, et pour tout le monde d'accord sur lui, et puis pour nous adopter ordre du jour. Alors, c'est un travail, je suis capable de dire, très bien organisé, mais pas oublier, tu as pile monde d'expérience, ou tu as gagné Madame Odette Wafonboin, 97 ans, qui sont éducatrices, qui sont intellectuelles, qui sont mon grand pile d'expérience. Nous avons sommité dans le comité Gérard Gourgue, qui était là tout, professeur de carrière, avocat, homme politique, 89 ans. Et vous-même, vous êtes toujours là, tenez face dans toute activité. Vous n'avez pas jamais fait coup de tête, vous êtes toujours agi avec un pile sagesse, avec un pile, on est capable de dire, esprit de dépassement. Esprit d'engagement patriotique et me saluer. Vous avez tous deux hommes, trois hommes d'église. Vous avez Monseigneur Patrick Harris, qui te représente l'église catholique romaine. Vous avez Monseigneur Auger Beauvoir, qui te représente l'église catholique non romaine. Et vous avez Pasteur Chavanne Jeune, ou capable de dire que vous avez deux chapeaux. À la fois, c'est un homme politique, mais tout le monde connaît son pasteur qui est dans le secteur protestant. Et puis maintenant, vous gagnez M. Paul Loulou-Chéry qui était sorti dans la sensibilité secteur syndical là, M. Charles Suffra qui sorti dans la sensibilité paysan, vous gagnez Gabriel Fortuné, ou capable de balle de chapeau, c'est quand même un homme politique qui sorti dans le sud, il a une représentativité nationale, mais également régionale. Et puis, pour ne pas oublier personne. Très active tout dans l'opposition. Très active dans l'opposition. Et puis, ne pas oublier personne. Ou gagner en personnalité au niveau destin. Balé de Charles Suffra déjà. Et Reginald Boulos, bien sûr. Et en gros, nous avons 11 monde qui étaient engagés dans le travail ça et nous tous étaient guidés par un même souci, un souci de d'équilibre, un souci de ramasser les revendications qui étaient dans la rue de tout secteur. Ah, ça me donne le droit de consacrer des monde qui estiment que travail commission les seulement fait écho de ça qu'a dit dans la rue. Pour ça nous ramasser tout ça. Mais c'est ça qui est fondamental, faut à l'écoute et c'est ça qu'on passe pouvoir politique qui des fois qu'on fait mes oreilles. Et ils ont quitté salle climatisée, coupé avec réalité. Nous-mêmes, pour la plupart, c'est mon béton. Moi-même, c'est mon béton. Je ne suis capable pas de même tactique là, je dis, même pas capable à l'écoute de monde qui est dans la rue, quelle que soit la position, même s'il y a certains désaccords. Mais ça qui est important, toutes les revendications sont toujours fondées. Mais est-ce que la commission de travail vraiment en toute indépendance? Ah oui, ah oui, en toute indépendance. Non, ça c'est la vérité. Pas d'influence personne. Président Matéli, Annick Finfest, cérémonie d'investiture, même bonjour, pas dit. Nous avons même elle monte dans le bureau, tout le monde prend machine, nous allons dans le siège, je te réservé pour nous pour le travail, dans l'hôtel qui est dans Pétionville. Pas d'aucune influence. Seulement, comme nous pas participer dans la série de consultations de TFAO, il y a trois conseillers présidents qui viennent faire nous un rapport, qui viennent ban nous tout ça que tu dit dans la consultation, qui portent des documents et qui permettent nous de poser des questions parce que nous avons le travail sous consultation président. Ça, c'est seul, pas dire ça, c'est interférence, c'était tout à fait normal pour te mettre nous à jour. C'est ça que tu fait. Bien sûr, tu as des gens dans le staff président qui sont disponibles. Mais nous n'avons pas de nécessité pour nous régler. Jamais un appel du président pour demander ce qui a passé, ce qui a réglé. C'est nous-mêmes qui demandons au président pour deux raisons. Premièrement, pour nous clarifier le mandat, même si arrêté a été dit que ça devient commission, clarifier le mandat. Mandat à la commission. Oui, mandat à la commission, puisque la commission a arrêté qui dit
folie essayer faire président des suggestions par rapport à consultation des faire nous avons besoin de comprendre de quelles suggestions l'attend est-ce que c'est pas livre l'attend de l'attend il était lui-même souligné 5 points d'intervention était fait et là nous avons parlé avec lui c'était pour nous dire prédisposition d'une part et deuxièmement en tant que protagoniste pas oublier son protagoniste de son élément dans crise là faut nous garder lui-même qui concession le pari pour le faire et rencontre ça était utile en pile alors c'est peut-être ça nous avons mis sous liste autorité qui concernait par crise là pour nous rencontrer et à la fois pour Wolio à la fois pour ça yo symboliser dans responsabilité yo gagner dans pouvoir l'état yo et président yon là-dedans et c'est seule fois nous t'ai rencontré lui deuxième fois n'a rencontré lui c'est dans une séance de travail pour nous présenter le rapport et c'était vraiment quelques heures avant la soirée c'était ça t'est fait de la soirée du 8 parce que yo t'ai installé nous le 1er décembre comme yo t'ai nous une semaine vraiment nous t'ai dédoublé nous pour que dans semaine ça nous t'ai bailler rapport nous. Mais pas oublier, c'est une commission consultative présidentielle. Ce n'était pas une commission d'opposition. Nous sommes capables de faire une conférence de presse pour que la radio président pour attendre qui ça nous gagne comme rapport. En même temps, tout, nous avons un souci de transparence pour que la population, l'autre secteur qu'on est, qui travaille, nous fait. Parce que c'est vrai, c'est le président qui nous met nous. Mais nous pas des employés qui pourraient travailler pour la personne du président. Nous sommes des gens qui travaillent pour le pays, et comme président fait partie du pays, il faut considérer sensibilité. Et c'était concilier les partis. Et le président a facilité ça, dans la séance de travail-là. Même attitude où elle gagne, dans l'intervention, il fait le 12 décembre. Il dit accepter l'accord totalement. C'était même attitude-là. Le président n'a pas retiré un mot ni une phrase. Okay. Il dit il est d'accord. Permettre que moi, proposant magistrat, Paul, monsieur Lemtoune, je vais regarder avec vous. Il y a des gens qui estiment à travers le rapport ça, c'est comme si son code que la commission a mis pour Michel Martelly, pour nous proposer, puis Lemtoune, je vais regarder la réponse, monsieur Paul. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante, Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'Iri. J'ai nommé moi, hein. Le riz, juste le riz. D'Iri numéro 1. Oh, yeah. Diri numéro 2. Diri numéro 3. Diri 10 sous 10 plus. Sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour les gratte, y'a ça. Nous tournons en proposant deuxième partie rubrique tendance. Si vous faites connecter nous, invitez-nous aujourd'hui en séance magistrat Evans Paul, lycée Youn, non commissionnaire qui travaille dans la commission consultative, non, qui bat les recommandations, qui commence à entrer en application. Mais magistrat Paul, sans doute, tout entendez les questions. Ça. Déjà, la commission au travail met son code. Il mette et il bat le président payé pour prendre tête. Parce que il y a des gens qui estiment si Laurent Lamotte fin remet démission, le prochain monde qui gagne pour remettre démission, c'est le président de la République parce que il n'est pas seul parti qui est engagé dans le cadre de recommandation. C'est vrai que lui-même commence à faire premier pas. Il y a de l'autre acteur qui ne doit pas d'accord en boîte de pas, puisque lui-même était déjà dit qu'il n'est pas lié avec question rapport ça.
Bon, normalement, on ne peut pas chercher unanimité. Mm-hmm. Mais rapport à amender tout le monde pour reconnaître la légitimité électorale président. Mm-hmm. Ça veut dire que la stabilité d'un régime politique est assurée par les élus. Président élu pour 5 ans. Il y a un premier ministre, son job aléatoire. Ou capable de faire 6 mois mm-hmm. ou faire 20 ans. Depuis que il y a toujours confirmé on a job ou arrêté. Mais pour le ministre, il n'y a pas de délai. Alors, son fusiblier, dans la situation, ça, pour nous, si on a joué dame, mm-hmm. on est pour la dame, il faut d'accord pour manger un pion. Alors, nous-mêmes, l'entab garde la situation, nous avons un sacrifice qui vous fait. Et nous, pour nous taper cette situation, il faut que nous, tant que le ministre Lamotte, faire un geste, faire un sacrifice. C'est même bagarre que nous demander. Pour le président CSPJ, qui est inamovible, son mot français qui dit qu'il est là pour 9 ans, personne ne va retirer lui. Mais il y a des circonstances où il faut move pour le pays. Et c'est dans ce sens-là nous demandons certains gens qui ont démission. Et nous sommes capables de penser mettre code dans le cou du président de la République. Côté un citoyen qui a une grosse prétention comme ça. Seulement nous pensons qu'il était dans l'intérêt du président pour faire certaines concessions pour le surmonter des difficultés. Lui-même l'a traversé comme président et de surcroît pays. Alors, moi-même, m'a profité saluer courage président qui était gagné capacité pour choisir moun qui était capable d'agir avec indépendance d'esprit parce que il pas choisi 11 partisans li. Mm-hmm. Elle te connaît souvent moun ça ou te choisi, c'est pour l'aide d'amour et pour Bali. Je pense que monsieur Matéli suffisamment intelligent pour le comprendre ça et m'a encore apprécié le fait que l'elle te fine prend connaissance du rapport, il est accepté font cérémonie officielle dans le palais national pour rapport à lui devant tout le pays, il met la télévision nationale en direct, quand toute communauté internationale invitée, c'est façon dans la transparence pour te dire mais qui rapport il recevoir en même temps, pas oublier, sans se dire là, il y a des gens qui dit président, il faut le convaincre partisan pour le dire rapport ça, il faut m'accepter. Là, il prend 72 heures, c'est pas pour te convaincre tête, lui, non, c'était pour convaincre les autres. Il y avait fait travail ça. Convaincre bons amis, M. Lamotte, pour démissionner, n'était pas facile. C'est encore un gros travail qu'il fait. Je pense que, quelle que soit la position qu'a gagné avec le président Matéli, il faut reconnaître qu'il fait un acte de courage. C'est-à-dire qu'il faut savoir apprécier ton adversaire. Et c'est ça qui a fait grandeur. Je dis à lui, pose un acte. Et en pile, l'autre président ne va pas te poser. Ils font pas, je pense que l'autre monde tout doit font pas si nous devons privilégier intérêt pays au-delà de toute l'autre bagage. Ou t'es dans à quoi El Rancho ou non, ou c'est un artisan recommandation ça, qui ça différencie El Rancho et recommandation ça en termes d'applicabilité? Ils ont complété l'autre. Ah bon? Oui, ils ont complété l'autre. Les bagages ils ont souhaité comment c'est fait parce que voulait pas voulait. C'est El Rancho qui te résout le problème coût supérieur des comptes. El Rancho t'a créé en sorte d'apaisement, un gouvernement d'ouverture, etc. Le problème d'El Rancho, c'est en article 12 que certains monde sauté sous lui comme prétexte, et puis il y a des gens qui font bac sous propre signature. Je dis, c'est ceinturon. C'est la continuité d'El Rancho qui fait dans une autre forme. Parce que le rapport, c'est une forme d'accord. C'est un accord entre des sensibilités qui proposent le président au bagaille. Qui est capable de faire équilibre dans la société, c'est ça que nous avons cherché dans El Rancho. El Rancho n'est pas ton mauvais bagage, c'est ton bagage entre haïtiens qui était très, très méthodologique. Et moi-même, je t'ai appris en pile et nous t'ai inspiré en pile de ce que El Rancho a fait. Et il faut me dire que tu as des gens dans El Rancho qui étaient là. Par exemple, tu as Monseigneur Patrick Harris qui était là, ou tu as Chavan Jeune qui était là, ou tu as moi-même qui était là. Nous n'avons pas de gain en tête nous, pour nous faire El Rancho, nous tellement pas de gain en tête nous, pour nous faire El Rancho. Et le palais national te voulait réserver El Rancho comme espace pour commission à le travail. Les bails ça glissé dans les oreilles, même courir les docteurs Reginald Boulos qui propriétaire El Rancho. Moi je dis nous pas qu'à faire ça pour deux raisons. La première raison sur le gombaï qui passe là, pile monde pense le pas passer bien. Du point de vue psychologique, c'est qu'on allait dans le même côté, il était un échec là. Et en politique, la perception vaut la faire. La perception vaut faire. La deuxième raison, c'est propriétaire El Rancho qui a pensé son petit corps va profiter fait. Alors pour deux raisons, ça y est, t'as souhaité ou même aider le parfaitement El Rancho. Eh bien, monsieur est en voyage, il n'y a pas de connaissance si parler à Terre El Rancho, parce que c'est pas le ministre El Rancho. Rapidement, il dit parler à El Rancho pas disponible. Et parler à tout obligé de chercher l'autre espace. Alors tout ça, c'est des efforts de collaboration, de participation, de compréhension, de dépassement. Il faut que tout le monde qui est dans
commission pas d'accord à tout le bail qui n'a pas. Ah non, 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 c'est concession, consensus. C'était parce que dans matin, il y a que le bail va gâter. Oui, vous pensez que le gâter, mais il y a un pile effort qui fait pour le pas gâter, notamment pour nous déjoindre un signature collègue, nous, et Gabriel et Fortuné, qui font un gros effort, parce que lui-même tout. L'elle te couru à parler dans la radio, dit des bagailles que le pas d'accord. Bon, mais c'est elle te font bon mauvais bagaille. Mm-hmm. C'est un bon mauvais bagaille. Bon mauvais bagaille. Comment vous expliquez ça? C'est un bon bagaille, mm-hmm. le fait que grand monde qui montre qu'il a plus exigence que les autres. Mm-hmm. Ça veut dire que ça pourra permettre que ça que t'apparaît grave, mm-hmm. il y a une plus acceptation, particulièrement du président Martelly. Mm-hmm. Son mauvais bagaille, en quelque sorte, que des fois, faut résister à pression. Moi, je suis que t'es un monde, l'entourage, lui, quand fait pression, t'es un monde qui fait pression sous moi. Mais moi, moins imperméable. Ça veut dire que les maps font bagaille, moi, je suis que maps fait, depuis, je suis que m'a fait bagaille contre personne, m'a fait bagaille contre pays, là. Je pensais que je dois en avance sur l'autre monde, je pensais que je dois être plus clair que l'autre monde, j'ai prétention que je suis avant-garde. Et puis en fonction de ça, me tendez ça pour me tendez, me pas tendez ça pour me pas tendez. Me pas quitter mon influence, me qui doit pas tout était tout dans commission ça, me dit bonjour pour mourir. Bon, si c'est comme ça pour mourir, m'a mourir. Mais il faut engager nous. Les commissions fin faire rapport avec mon qui dit monsieur Patelli pas jamais d'accord avec comme ça. Me dit on va voir. Faut gagner espoir dans ça qui bon, l'accepter. Là fin accepter le monde qui dit pas jamais appliquer. Il commence à appliquer. Sur 40 personnes qui étaient dans la prison, il y a 35 qui l'ont déjà. C'est quand même un pas. Les gens pour aller passer fête avec la famille. Et je pense au-delà de 40 personnes, il faut nous faire effort pour tout le monde qui n'a pas mérité dans la prison, pas dans la prison. Et moi-même, je ne fais pas politique avec les gens qui sont dans la prison. Je ne dis pas qu'il y a un prisonnier politique juste pour me construire un slogan politique. Mm-hmm. Nous voulons que les gens qui n'a pas mérité dans la prison, pas dans la prison, et c'est dans ce sens-là nous travaillons très discrètement. Tout à fait, mais vous connaissez aujourd'hui son goût d'arriver à faire l'histoire avant. Je dis 16 décembre 2014, 16 décembre 90, ça fait 24 ans. 24 ans depuis, un peu de monde en deux pays a estimé que c'était une première élection qui était démocratique. C'est une première élection où le peuple a descendu à choisir le monde de manière libre. Et là, ça, c'est une artisan, œuvre ça, dans le cas de FN, c'est des morts souris. C'est vraiment, c'est pour me demander 24 ans après, nous pour qu'on j'aime capable de jouer un modèle élection comme ça, côté peuple les choisit, même si c'est l'exotique, mais le résultat, parce que nous ne pouvons pas retourner sur ça, puisque jusqu'à présent, nous avons des cas un défi pour dire qu'il y a un pourcentage de mettre en risque de passer, il y a une difficulté. Ça qui explique que je dis, 24 ans après, nous toujours, chaque fois qu'on gagne l'élection, gagner une certaine réticence, un manque de confiance. Mais là, ça va pas là, on est petit, on est petit, on ne va pas comment faire maintenant. On fait déjà, on fait déjà. C'est des gros événements, c'est des gros bagailles. Vous dites, tu as 10 ans, vrai. C'est ton journée. Compliqué. C'est une journée compliquée et c'est une journée t'as capable dire d'apothéose. Et je suis capable de dire c'est une journée de plébiscite. Et très honnêtement, je ne peux pas dire que c'est une élection t'as capable dire et était démocratique, mais pas forcément très méthodique. Parce qu'on aime toujours dire la vérité. Méthodique parce que t'es toujours une faiblesse dans le système. Ce jour-là, moi, j'ai vécu des moments difficiles avec la communauté internationale. J'étais... Non, mais même à l'époque, ça tout. Ah oui, c'était une journée difficile. Mm-hmm. Ah non, c'était plus gros problème. Parce que cette journée-là, moi, j'étais représentant du FNCD. Mm-hmm. Et nous, moi, j'étais en trois dirigeants. C'était Tuneb Delpé, Victor Benoît et moi-même. Mm-hmm. Alors, j'étais mandataire général pour le FNCD au siège du conseil électoral provisoire. À l'époque, qui était dans... le Musso côté gain local primature, c'est là le TI. Mais toute la journée, c'est une journée de pression. Première pression me joindre, c'est vers 2h de l'après-midi, une délégation de gros autobus international, l'ancien président Jimmy Carter, l'ancien secrétaire général de l'OE à Baïna Soares, c'est l'autre gros autobus encore qui vient dire bon monsieur Paul, vous êtes représentant de monsieur Aristide. Et on va l'obliger de faire une déclaration là pour dire peuple là ou reconnaître que FNCD et M. Aristide perdent l'élection. Ah bon? Parce que c'est vrai, dans la campagne, il y a des grands pays derrière nous, mais ce sont des petits gens. Petits gens n'ont pas de carte électorale. Alors, dans la réalité, l'élection, selon ça, nous constatons, sont l'autre candidat. Il y a M. Bazin qui a gagné. Il faut avoir courage pour reconnaître ça, pour faire une déclaration, pour peuple là, pas le faire des ordres, pas penser au vol de l'élection. Je dis, monsieur, je pense que nous avons raison. Oui, si c'est l'autre candidat qui gagne, c'est une élection qui gagne, nous n'avons pas accepté de perdre.
Mais en temps de bureau fermé, parce que les salités 2 heures de l'après-midi. Je ne dis pas qu'à 2 heures de l'après-midi pour 10 mois pour mal désister. On entend le bureau. Voici le bureau. Et là, sans résister. Nous résister. Nous résister, pas désister. C'était difficile. C'était difficile que les pressions internationales des plus jeunes, toujours jeunes, mais des plus jeunes, et pour faire face à ça. Et bon, maintenant, passer cap ça. Ils viennent d'accord avec moi. Je me dis qu'on va. Mais c'est la raison qui fait. Et en plus, monter dans la rue, vous dites, Pemba, le grand monde, c'est domino, jouer. Et puis, 10h du matin, c'est le président. Ou pas là. Ou après, on a fait le bagaille. Mettez-vous, vous remercie un peu, monsieur Paul, parce que c'est belle tranche histoire. Et là, finalement, comprendre que la question élection, communauté internationale, là, tout mais tu as l'autre étape, n'a pas l'île de l'autre. Ça, c'est première pression, tu as l'autre pression encore. Alors, ça a été un plaisir. Et nous là, nous ouverts au dialogue et nous pour une solution pour que 12 janvier nous venions chita parler là, dans l'autre perspective d'un pays qui a avancé vers la démocratie, vers le progrès. Tout à fait. Merci un pile pour fidélité et attention. Nous rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye tout le monde.